Bonjour les enfants. C'est papa. Yes, c'est papa. Va fiasquer loin. Hein? Va fiasquer loin, frère. C'est pas ta vidéo. Tu peux passer comme un taxi plein, cousin. Je t'ai pas stoppé. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente. Oh, la beauté du monde est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Hein? Bienvenue à la clinique, Michel. Bienvenue. Là, je t'amène vraiment pour la tête. Tu vois, pour faire passer de l'air dans la tête. Aujourd'hui, cette journée t'est spécialement dédicacée. Parce que je suis choqué. Je suis quand même choqué. Parce que tu dis quand même quelque chose qui me perturbe beaucoup, Michel. Quand tu dis l'erreur que nous avons fait, c'était de vouloir imposer au Camerounais un homme providentiel. Ah, Michel, non. Non, je relis toujours ton message, j'essaye toujours de le disséquer pour voir quelle est ta pensée profonde. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Parce que c'est de ça, le reste, c'est de l'esprouve. Non, peut-être que toi, tu as fait une erreur, tu vois. Mais personne n'a essayé d'imposer au Camerounais l'homme providentiel. Je suis désolé. Les Camerounais se sont fabriqués eux-mêmes. À force d'attendre justement les hommes capables de porter le projet Cameroun, à force d'attendre l'homme providentiel, parce que ce système a eu ceci de particulier, c'est que ça a détruit des hommes. Ça a détruit des hommes, ça nous a piégés dans la situation de... Si ce n'est pas alors Paul Biya, ce sera qui? Et quand les Camerounais en ont eu marre d'attendre, ils ont fabriqué eux-mêmes. Ils ont fabriqué eux-mêmes. Si l'énergie qui porte Maurice Kamto était son énergie seule et personnelle, il y a longtemps qu'il serait tombé. Si Maurice Kamto était habité par un souci de développement personnel, parce que quand tu as un petit combat, comme t'en sortir, avoir un travail, avoir un job, être quelqu'un, être plus grand, être encore un peu plus grand, quand tu as des soucis individualistes, il y a de fortes chances que tu t'écroules ou alors que tu te satisfasses très vite. Non, je suis désolé. Quand tu es grand, tu es porté par une énergie beaucoup plus grande. Ce n'est pas lui qui, parce qu'il voulait être président, a réussi à s'imposer comme l'espoir de tout un peuple. Non, non, Michel, je ne suis pas d'accord. C'est une mauvaise interprétation que tu es en train de faire. Le Cameroun, pendant toutes ces années, s'est fabriqué l'homme dont il a besoin pour pouvoir être la clé qui ouvre la serrure et le cadenas qui bloque leur liberté, Michel. Non, ce n'est pas juste. Maurice Kamto est une fabrication du désespoir camerounais. Maurice Kamto est une fabrication. Il cristallise les souffrances et l'envie de changement de tous les Camerounais. Enfin, les Camerounais, le changement a un visage. Et on ne va pas laisser les gens venir nous dire non, non, soyons sérieux, c'est du chantage quand même, Michel. Non, le leadership, ça se construit et ça se mérite. On ne va pas détruire le leadership pour une vision imaginaire. Ça, c'est le piège à con, baby. Ça, c'est le piège à con. Le peuple camerounais s'est fabriqué des leaders à force d'attendre que les leaders se fabriquent eux-mêmes. Ils ont vu à quel point le système a détruit toute forme de leadership. Alors, ils se sont fabriqués leurs propres leaders. Maurice Kamto était juste le bon homme au bon moment, avec les bons atouts. Si toi-même, tu avais ces mêmes atouts, si toi-même, tu avais la même énergie, le peuple te l'a donné. Tu as été la fiancée du peuple. Tu as juste quitté le mariage. Non, bébé, je t'aime de tout mon cœur, tu le sais. Mais tu étais aussi la fiancée du peuple. Toi, tu as choisi de quitter le mariage. Maurice Kamto est resté en mariage. Il est prisonnier du peuple. Il est prisonnier du peuple meurtri. Il ne s'appartient plus, je suis désolé. Donc je ne trouve pas très logique. Le peuple construit son leadership, le peuple construit les hommes dont il a besoin. Et le peuple a construit Maurice Kamto. C'est ça qui est la vérité. Ça n'a rien à voir avec un problème de vision ou de quoi que ce soit. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on ait cette discussion entre adultes, mais qu'on se dise toutes les vérités. La cible, c'est toujours Maurice Kamto.
Même quand vous allez chier dans vos toilettes, même quand vous allez pisser ou péter, la cible, c'est toujours Moïse Kamto. Simplement parce qu'il est la fabrication du peuple. Voilà. Allez les enfants, c'est magnifique. Ok, c'est totalement magnifique. Je voulais partager. C'était papa. Deuxième frappe de la journée.